Yo tout le monde, c'est Aiko et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire le retour de Pokémon version noire 2 découverte. Alors je teste une nouvelle méthode d'enregistrement d'écran. Donc il est possible qu'il y ait quelques bugs, je verrai ce que ça donne à l'épisode. Alors, ça faisait un petit moment que j'étais coincé dans cette grotte, je ne vous le cache pas, que j'ai dû jouer pas mal entre temps. Et c'est grâce à Phoenix que j'ai réussi à sortir. Donc j'ai préparé une safe state au cas où je ne retrouve plus la sortie de... simplement de cette grotte. Ça serait bien que je mette un chronomètre. Donc d'accord, j'ai commencé à 32, d'accord. Donc avec cette nouvelle méthode d'enregistrement, normalement il devrait y avoir un peu plus de fluidité. Si tout se passe bien évidemment. Un peu plus de fluidité. Par contre la qualité, je crois qu'elle sera la même. Contre toi, on va faire Dragon Griff, on devrait être one shot, logique. Voilà. Un Scorplane. Alors Scorplane est type sol vol, je dirais. Sol vol, oh, il n'y a pas Sonic. Scorplane, donc contre toi on devrait faire. J'ai quoi? Il a quoi pour l'attaque? Est-ce qu'il a quoi jet? Il a surf et hydro cube. Va pour un petit surf. Voilà, one shot. Je tiens à préciser, je l'ai déjà dit il y a longtemps. Alors, Phoenix, juste avant que je dise ça, T-Phoenix m'a dit que... pas mon Voltali, hein, T-Phoenix m'a dit que apparemment, dans 5-6 épisodes, peut-être même avant, je devrais avoir capturé... comment il s'appelle? Alors c'est Zekrom et Reshiram, et celui qui est au milieu, je sais un peu, c'est... J'ai complètement oublié son nom. C'est absolument génial, j'ai oublié son nom. J'allais dire Kyubi, non Kyubi, mais c'est pas du tout la même chose. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus du tout. Hop, donc on monte à la surface. Donc là on va utiliser le Nicodule, je me souvenais pas du tout qui nous l'avait donné. Mais du coup on va jouer contre un Krabarak, pardon. Alors type insecte roche je dirais, donc on va faire un petit vol. Je pensais. Eh ben non en fait. On va se calmer tout de suite, hein. Donc du coup Tellurie Force, pas de calmer. Parce qu'en toute logique, les types roches. Même pas. Mais écoutez, je comprends pas. Donc là, en toute logique, on peut passer. Hein? Hiver, printemps, été. Carrément. Tu l'as retrouvé? Ah, on peut compter sur toi. Donc vous l'aurez compris, ça c'est la base de la team plasma. Mais par où on rentre? On n'est pas aux pièces. La lourde passerelle s'abaisse. C'est mieux comme ça, non? Alors tu comptes te battre contre ces... Tu comptes te battre contre ces escrocs? On se calme, j'ai rien contre la team plasma, je ne sais pas s'ils sont impliqués dans les trucs de louche. Tout le monde dit qu'ils font des choses horribles, mais ça fait rien. C'est pas mon genre de décider qui sont les gentils et les méchants. Mais si vous êtes dans une situation délicate, bien sûr que j'adore donner un coup de main. Merci. Vous avez un truc auquel vous vous accrochez, c'est bien. Toi, tu cherches ton Pokémon perdu, et toi, tu essayes d'empêcher Unis d'être gelé. Les raisons, on s'en fiche. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que la force des... Oui, bon, voilà, hein. Voilà, la forêt des amitiés, les Pokémon sont nos amis, faut pas les embêter. Bon. C'est parti. Allons casser la gueule à la team plasma. C'est bon, je gère, tu peux continuer. Vous,
Ce sont les copains de l'autre Ahuri en slip de bain qui a déployé la passerelle. Ahuri en slip de bain, c'est vrai qu'on pourrait qualifier comme ça. Un Ahuri en slip de bain. Un Miradar. Attaque. Miradar est de type normal, le Dragon Griff, ça devrait suffire. Oh, presque. Petite mâchouille. Voilà. Miasmax. Machin avec Pokémon. J'avais oublié que j'avais deux Pokémon KO. Ah oui, Esflem, ça fait longtemps qu'elle a pas envie de combat. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas record. Donc, Alors. Faire un petit lance-flamme. Et on va finir par une petite attaque force. Voilà. T'es Phoenix niveau 61. Mais en fait, T'es Phoenix est vraiment de plus en plus cheaté. C'est devenu mon Pokémon le plus puissant. Hein. Ah, l'écoutille n'est pas fermée. Bon, on peut fouiller ce ratio. Si je me rappelle bien, à Poryoneuve, le vieux Lilien, il est sorti de là-bas. J'aimerais bien soigner mes Pokémon. Bon, tu vas attendre un petit peu, hein. J'espère que j'ai des médicaments. Médicaments, c'est là. Carbone, zinc, élixir, calcium, total soin. J'ai que dalle. J'ai que des guérisons. J'ai rien du tout. Que dalle. J'ai que des médicaments qui veulent la peau des couilles. Je sais pas ce que je fous avec ça. Ah. C'est ça. On y va. Alors, je me répète, d'après Phoenix, on a beaucoup de combats à faire. Mais d'où elles sortent ces deux portions? Je vous avertis, j'ai grave la haine. Ouais, il a tout le temps la haine. Peut-être mettre un peu le son du... Oh, quoi que, ça a l'air d'être bon. C'est Vipère et Nosferalto. Et lui, il envoie un Majaspic. C'est dangereux, il faut un Pokémon vol et un Pokémon poison. Force. Est-ce que ça attaque les deux? Non, donc on va le faire sur Célibère. C'est bizarre, j'ai l'impression que la musique va à 2 à l'heure. C'est quoi ça? J'ai pas vu ce que c'était l'attaque. Miasmax. Alors, Kraki, tu veux me faire une petite attaque mâchouille sur Nosferalto. Ah, je pensais que ça allait être plus... Ah, je pense... Ah non. J'ai confondu les types. En storage, j'ai pas vu le nom de l'attaque. Je regarderai au replay. Oh, il m'a empoisonné le con. Bon, ça devrait passer, j'ai une guérison. Donc j'attends la fin du combat, je le soigne. Drascore, tu pensais que ton tir qui t'avait donné sur moi. Bon, c'est fini là. Il va prendre cher. Il n'a plus d'empoisonné, c'est génial. Bon, c'est bientôt fini là. Merci. Bon, il y a beaucoup trop de statistiques à mon goût sur cet écran. Ah, bah ça doit arriver. Ça devait arriver. Bon. Ouh, moi j'explique qu'il n'y a plus de vie là. Bah, il n'y a plus du tout là. Bah, écoutez, regardez T'es Phoenix. C'est un petit peu notre arme secrète en fait, T'es Phoenix.
plaisant. On va faire une petite attaque lance-flamme. Oh, pas la peine de faire aussi fort, on va faire juste l'attaque force. Enfin, juste attaque force. Force est une bonne attaque. Hein. Je remets pas du tout ça en question. Force est même une excellente attaque. Mais... Il va se calmer le monsieur là. Yep, encore une attaque force. Sur le bras score. Voilà, ça c'est fait. Il faut avertir les autres. Il faut protéger les interrupteurs. Ils avaient pas le chakripan avec eux. Un barrage. T'as entendu ce qu'il disait l'autre escroc? En activant les interrupteurs, on devrait pouvoir passer. Aiko, on se sépare, on les trouve ces fichus interrupteurs. Ouais, mais moi je voudrais bien me soigner en fait. C'est pas... Encore? Ne vous emportez pas, je suis des vôtres. C'est un déguisement. Je sers Sage Carmine. Je suis en mission sous-marin sur ce bateau. Quelle galère. Ça doit pas être facile. Mentir et moucharder ses anciens copains. C'est quelque chose sur un chakripan volé à Pavoinet. Non, désolé. Fallait s'y attendre. On peut faire confiance que... Ah! On peut pas faire confiance à des types qui ont voulu conquérir le monde. J'étais sincère quand je disais que je voulais sauver les Pokémon, tu sais. La frégate placement, on se déplace à l'adapter les porteurs, bon courage. Y'a rien du tout par là. Ok, bon. Alors, oh, une petite Pokéball. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un rappel. Oh bah écoutez, c'est parfait pour notre petit Libellon. Alors, sac. Petit rappel qui va être là. Utilisé sur... plutôt sur Guigaro, hein. Une petite guérison aussi. Hop. Alors, où est-ce que je vais devoir aller? Il n'y a pas besoin de repousse là, je pense. Je pense qu'il fallait tout simplement aller là où Cypher est allé. J'avais pas vu ces ports sur le côté. Voilà, pourquoi pas après tout. Si on n'a pas envie de faire des combats. D'accord. Qu'on a désactivé une première. Hop. Magma Riser. Ouh. Ça se vend pas, ça c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que si on avait eu un Magmar, j'aurais fait un échange. What? Ouh. Ça devient tordu. Ça devient énormément tordu. En fait, j'essaie d'éviter les combats au passage, mais je pense qu'à un moment ou à un autre... On n'aura pas le choix. Intrus à bord, tout le monde à son poste. Coucou. La fille elle m'a vu, tu sais, je suis même pas. Ah voilà. Premier interrupteur. Est-ce qu'on va arriver au deuxième? Enfin, quatrième plutôt. Bon, ce combat là on pourra pas l'éviter. Calpion. Type acier, donc j'ai bien fait de raise Gigaro. Un petit forte paume. Encore un scalpion. D'accord.
Voilà, bah, je te dis one shot, c'est bien les one shot aussi. Hein. Encore un scalpion. Une armée de scalpions, hein. Faut diversifier un petit peu les Pokémon, hein, madame. Voilà. Alors. Merde. Je voulais pas y aller. Au moment où j'ai fait la flèche du haut, enfin le joystick haut, bah elle s'est retournée. Je voulais éviter ça. Bagiguane. Ok. Donc. Combat aussi, ça va aller. Enfin, petite attaque physique. J'ai plus beaucoup de fortes paumes. Hein. Histoire que je vais être soigné avant le combat final, ce serait assez con. Je mourir à cause de ça. Un nouveau Pardus. Ok, là par contre, on va changer de Pokémon. Bon, il était Phoenix. Un petit coup de jus. Écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Je dirais que Phoenix a un bon niveau. Oui. On aime moyen. Hein. Bah non, on va essayer celle-là du coup. Il en reste plus qu'une. Bonjour mademoiselle. Je fais vraiment des passages random. Hein. Je m'excuse déjà d'avance. Je fais vraiment que des passages complètement random. On va changer de salle pour voir. Bonjour. J'espère que j'ai vite trouvé la sortie. Coucou. Ouais, je suis déjà allé ici. Oh là 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 là, le casse-tête. D'accord, je suis là. On va aller à celui-là. Coucou. On va aller vers le haut. Toujours pas. On va retourner là. Putain, je suis en train de me paumer. Non, dans cette salle-là, je suis pas allé viser loin. Enfin, peut-être, mais. Un Smogogo. Le problème c'est qu'il est type poison guillon pour rien faire. Non, rien faire du tout. On va envoyer Aquasonic. J'aurais pu envoyer Jeff Phoenix avec Morsure, mais. Quoique je suis pas sûr que ça fait beaucoup de dégâts à Morsure. Coup double. Aïe. Ouah, ça va. Petit coup d'hydroqueux et ça le calme. Oh, il a une bonne défense, le con. Oh là, mais il va se calmer par contre, là, tout de suite. Tu vas te calmer, mais vraiment, genre tout de suite maintenant, là. Ah là, j'en ai besoin. Putain. J'ai gagné que ça en expérience, quoi. Bon. Essayons celui-là. Voilà. Enfin. Donc, on sort. Maintenant, on évite les dresseurs, parce que oui, j'ai envie de les éviter. Hop, et donc maintenant, c'est par là. Sur le téléporteur. Ah ouais, mais là ça va pas me plaire du tout là. Là ça va pas le faire là. J'ai vraiment pas de potion. Je suis mal préparé, je suis vraiment un bouffon. Que vois-je? Un dresseur de talent sans aucun doute. Il est même
il est méritoire de parvenir jusqu'ici. Voici donc pour ta peine. Je vous présente... Ah oui, Xurem. Wow, mais il est là. Wow. Les torpilles qui ont transformé Janusa en fleuve de glace sont le fruit de notre supernelle science. La vertigineuse technologie de la Team Plasma combinée à la puissance invisible de Xurem. Il est temps de mettre un terme à tes préventions échevelées. Ta perpétuelle ingérence est irrémissible. Mais c'est quoi ces mots qu'il utilise là? C'est pas un jeu pour les gars, ça? Ça risque pas. Merci pour les barrières. Soit, je vous échanillerai en même temps. Combat double ou alors... comment ça se passe? Effectivement, combat double. Léopardu, c'est Exagel. Exagel, je vais l'attaquer en premier. Léopardu, il faudra lui faire une attaque. Alors, on va te faire une petite forte paume sur Exagel. Majestic est plus rapide que Gigaro. Ça m'étonne. Oh bah one shot, écoutez, c'est parfait. Et one shot, parfait. Encore un Exagel. Et il a vraiment les Pokémon glace, non? Et Brutapod. Ah, la nostalgie. Pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, mais vraiment il y a un petit moment maintenant, j'avais un Brutapod dans mon équipe. C'était Petit Poison. Je l'ai laissé pour prendre Zoroark à la place. Puisque Brutapod était un Pokémon vraiment très très bon au départ. Mais au fil du temps, il apprenait plus vraiment d'attaques intéressantes, ni grand chose comme ça. Donc, voilà. Oh, c'est quoi cette attaque? Oh, j'ai rien dit par rapport aux attaques inintéressantes là. Oh la vache! Si je l'avais gardé, il aurait eu une attaque complètement cheatée. Un Dimoré. Et putain, mais il est vraiment surkiff sur les Pokémon classe. Hop, on va te faire un petit aura sphère. Je peux pas m'utiliser une sur mes Pokémon à moi. Éclat de glace, là par contre, il va morfler là. J'ai des souvenirs, mal inspiré là. Je pense pas le one shot parce qu'il a pas beaucoup d'attaques spéciales. Ah bah si, quand même. Parce que Garou va pas énormément d'attaques spéciales dans les souvenirs. Bah là par contre, là j'explique. Dead. Ah, même pas. Ah, c'est parce qu'il avait fait un coup critique tout à l'heure, c'est pour ça. On va changer de Pokémon. Bon, on va Gasflame. Lame feuille. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse crunch. Ouais, je me demandais pourquoi j'avais plus de jeu là sur mon câble de la manette. J'étais en train de rouler dessus. Point poison. Ah, Majaspic là, dead. Hein. Donc, hop. Ouais, bon, c'est fini là, les affilés de stats là. lance-flamme. Et voilà. Phoenix niveau 62, et c'est vraiment lui qui bouffe le plus d'XP quand même, Phoenix. Et Majaspic est KO. Et je crois qu'on a fini le combat, ou alors il reste un Pokémon au sbire. Miradar par rapport au sbire. Ah ouais, c'est bien ça, il restait un Pokémon. Bah écoute, on va faire contre. Putain, Slam est vraiment rapide, j'ai l'impression. Ça va pas faire très mal parce qu'il m'a pas attaqué avant. Voilà. Je me souviens plus s'il est plus spécial ou physique. Je me souviens plus du tout. A chaque fois je regarde mais je m'en souviens jamais. Donc voilà, Miradar et KO.
l'or propre. Oh, 10 800. Bon, ça va, tranquille. Reviens sur Terre, vieux débris. Ouh, on perdra jamais contre la Team Plasma. Mais c'est quoi ce truc? Un Pokémon couvert de glace. C'est pas vrai, Janusia, c'était lui? Oh, quelle pénétration inattendue. Ouh, ah, ah. Avec tant de sagacité, pourquoi le diantre se hasarder dans notre retraite? Tu sais pas? Pour récupérer le Pokémon de ma frangine. Le monstre qu'a volé le Chakripan à Pavonet, c'est toi? Un Chakripan? Qui n'en a pas dérobé dans nos rangs? Comment le saurais-je? Mais ton entêtement est si vilain. Le plus Chakripan sont légion. Pourquoi ne pas remplacer ta bestiole pouilleuse par une autre? Parce que c'était le Chakripan offert par papy. Et c'était le seul souvenir qui restait à ma frangine de papy. Ce Chakripan est unique à moi! De grâce, épargne-moi ce soporatif monologue. Ce soporatif. Waouh! Un souvenir me apprend ce. Ouais, il commence à me casser les couilles, lui, à parler comme ça, là. Hop, hop, allez, dépêche-toi. Ouais, ouais, dépêche. Tu te fiches de qui? Tu te fiches de qui, sale perdant? Oh! What the fuck? Je veux un bateau comme ça. Allez, toujours plus vite. Ouais. Ah ouais, donc là par contre il va y avoir un décalage par rapport à l'animation à cause de ma sidebar, vous allez voir des trucs super chelous apparaître à l'écran. Je suis désolé. Escroc, vous pourrez pas vous enfuir. Bon bah je me demande vers où on se fait la malle. Je m'excuse de ce retard, je pense qu'ils se sont envolés pour la grotte cyclopéenne. La grotte cyclopéenne, c'est au bout de la route 22 ça. Je fonce, Aiko, on se retrouve là-bas, ok? Ce Pokémon, Kyurem, c'est ça? Son cri était trop triste. Ouais. Comment? Kyurem? La Team Plasma utilise la puissance de Kyurem? T'as fini de penser, mais... Comment les arrêter en ce cas? Si Kyurem est bien un dragon légendaire, comme dit Woody Watson, seuls Zekrom ou Reshiram pourraient s'opposer à lui. Hélas, ils ont tous deux disparu du Nice. Il faudrait trouver un dresseur que l'un d'entre eux aurait connu digne. Mais je vais me charger de ses recherches. Bon, et bah écoutez. On va se laisser ici. Hein? Ouais, je sauvegarde. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode que je pense je vais tourner à la suite. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, c'était Aiko.